Joseph Gone est une plume bien connue de la place parisienne. Ce chroniqueur a en particulier travaillé pour le journal Les Inrecuptibles. Passionné de musiques avant-gardistes et de BD d'auteur, il voue également une grande passion pour le manga qu'il a découvert ado en lisant de la BD américaine. Et un peu comme tous les mordus de comics, j'allais acheter mes comics en VO. Il y avait quelques librairies spécialisées dans ça. Et il se trouve qu'à un moment aux États-Unis, on a commencé à publier des mangas en américain en fait. C'est comme ça que j'ai découvert Akira, qui avait été publié aux États-Unis, qui était une série. Donc Akira de Otomo, qui ensuite a été adapté au cinéma, etc. Mais bon, la première fois que j'ai vu ça, c'était en anglais. Et aussi une autre série qui s'appelait Lone Wolf and Cub, qui était une série une série vraiment mythique japonaise qui avait été adaptée au cinéma dans les années 70. C'est vraiment par ces deux séries que je suis entré dans le manga. Joseph Gone fait partie de ces journalistes qui écrivent sur la BD comme d'autres le font sur le cinéma par exemple, c'est-à-dire avec engouement et exigence. Et il a d'ailleurs contribué dans ses papiers à faire reculer les habituels clichés liés au manga. Quand on dit manga, les gens ils voient des héros violents avec des grands yeux, alors que ce n'est absolument pas ça. Mais je crois que dans les années récentes, il y a effectivement eu un travail, un petit travail de la part de la critique pour parler de quelques livres. Il y a surtout eu un gros travail de la part de certains éditeurs qui a consisté à publier des livres et en faire la promotion d'une manière un peu plus intelligente. Moi, je ne fais pas de distinction, au fond, entre une bande dessinée et un manga. Pour moi, c'est de la bande dessinée. C'est-à-dire que c'est l'art de raconter une histoire avec des images, des mots, et de mettre tout ça en séquence. Donc il n'y a pas de distinction, il ne devrait pas y en avoir.